Viens, viens, la porte. Je sais que t'es en colère, mais c'est pas moi qui t'ai mis en colère, hein, pour info. Ouais, ouais, continue à t'énerver, mais moi je m'en fous, hein. Pour info, t'as une proie derrière. Ou tu peux venir me poursuivre aussi, c'est plus rigolo comme ça. Comme ça, l'autre il te court après et il arrive pas à te taper dessus. Mais j'arrête pas de vous courir après. Mais c'est ça qui est drôle. Mais revenez. Ah, allez, Anja. Combattre Titi du coup. Allez, Anja, viens. Ah, Ginigo n'a absolument pas dégagé. Mais viens ici, arrête de bouger, mes salopards. J'ai même pas le temps de t'infliger de dégâts qui se tirent déjà. C'est rigolo parce que le temps continue à passer, hein, entre temps. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Alors Lanja, il a pas l'air en tout cas, enfin quand il attaque, d'avoir des, enfin de feu, d'eau, enfin des éléments particuliers. Je pense qu'avec lui, il a surtout besoin d'une résistance physique. Je pense, hein. Je me trompe peut-être. 12 seconds later. T'as le droit, hein, d'approuver la question. Non, moi je ne dis rien, moi. Pendant ce temps-là, voyons voir la progression de Kuru. Je sais pas si t'as vu, mais t'as un petit point d'exclamation. C'est normalement c'est par ici qu'il faut que tu cours pour venir me donner un coup de main. Oui, mais je ne veux pas. C'est ça la différence. T'inquiète pas, il vient sur moi, ça peut te rassurer. Super, moi je dépêche les autres Jagras alors, hein. J'en profite. Hein. Coucou, ici. Ah, non, attends. Ah, mais je vais prendre, j'ai un appareil photo, moi. Je peux faire des selfies. Sur l'appareil photo. Ben, disons qu'il faudrait que je trouve un bon cliché, hein, mais après... Ah, oh, un curé enflammé, je sauvegarde la photo. Roule-toi par terre pour aller... pour aller... hey, dans l'eau, dans ça marche. Un curé dans l'eau, c'est sauvegarder ça aussi. Je sauvegarde cette photo également. Ah, j'ai plus de potions. Pourtant, il est gros, hein. T'es pas censé le louper. Hein. Ah mais il y a des herbivores ici, j'avais pas vu. Et il est gros mais il est haut, donc du coup c'est pas évident pour le taper comme il faut. Bah prends une échelle hein, j'ai envie de dire. Bah ça t'as pas même pas eu un chaos jusqu'à présent, donc franchement tu te débrouilles bien. Ça va, ces attaques on les voit arriver quand même, il fait qu'ils soient imposants et c'est plus facile. Bon je crois que je vais me barrer parce qu'il fait que m'attaquer donc c'est pas drôle. Non mais moi j'aime bien quand il t'attaque. Eh ben tant pis pour toi, moi je me barre, je vais aller pêcher du poisson. Bah tu vois, j'aurais pas dû l'attaquer, parce que maintenant il est mourant. Donc tu te démerdes pour le combat final. Rassure-moi, le sol sur lequel il est, ça peut pas tomber. Moi je dis rien. Démerde-toi. Je veux pas tomber dedans avec lui, hein. Va te faire voir. Tu tombes tout seul dans ton trou. Tara, tu t'amuses bien. Oula, le monstre oula, m'a attrapé. Oula, ça c'est oula. La merde. Aïe, ah, ça pue ça. Bon, je dis ça, je dis rien, mais je te conseille de prendre éventuellement une potion. Oui, je pense. Ah ouais, carrément, tu prends la méga potion en mode de parano, quoi, toi. Non, j'ai plus de potion normale en vrai, et pour ça que je prends plus de. Ah oui, c'est ça, tu gaspilles le tas de. Okay. Et c'est bientôt une victoire pour Kuru. Est-ce qu'il va tuer le Anja? Je suis sûr que oui, parce qu'en fait, il n'est pas si difficile que ça en réalité. Non, oula. Je vais me taire. Ah, je viens de voir. Dégâts que je viens de prendre. Je viens de voir éventuellement aussi. Donc, je crois qu'en fait, tu l'as beaucoup énervé quand t'as dit ça, en fait. Non, en réalité... Ah, ben je vais me taire, ça vaut mieux. Ah, ben quand même. Ben quand même, il t'en a fallu du temps. Avec une magnifique glissade pour le dernier coup.
T'as fallu du temps pour le tuer quand même. Un petit peu quand même. Parce que là, t'étais à 35 minutes hein, quand même. Ouf. Bah, ça a mis du temps là. Mais je suis même pas mort une seule fois. Oui, GG, bravo. Mais j'ai bien aimé les fois où tu dis oh, ben le Hanja il fait juste des attaques normales, ça va, c'est rien, et puis paf, il se ramasse une boule de feu dans la gueule, tout va bien, voilà quoi. Donc, du coup, le Hanja est feu et physique, du coup. Vrai, oh sérieux, j'aurais jamais deviné toute seule. Ah, je m'attendais pas du tout aux dégâts de feu. C'est quoi, c'est la boule de feu ou le lance-flamme qui t'a mis la puce à l'oreille, c'est ça? Un petit Non, peu. une traînée de lave sur le sol. Ouais, m'en doute, ouais. Ah, une belle image de Monsieur Oursillon et de son fidèle palico en train de marcher dans la forêt. C'est beau, c'est tropico. En train de ramasser des libellules. Ah non, c'est pas le moment, c'est pas ce moment-là que je ramassais des libellules. Donc non, c'est une petite balade en forêt. Tu vois, j'ai ramassé plein d'écofacs, hein, donc quelque part, c'est que j'ai fait quelque chose. Archéologiste. Ah mais attends, en plus, je viens de voir, mais en fait, tu me prends la moitié de ma prime. Oui? Elle a rien foutu du combat et elle me prend la moitié de ma prime. Alors, je te permets pas, j'ai quand même servi de distraction hein, au bout d'un moment. Donc, bon, quelque part, faut se demander les bonnes questions. Hein. Regarde-moi ça, l'archéologue 31 écofact examiné. Voilà, bravo, je te félicite. Bah, excuse-moi, mais c'est toi le héros. Hein. Moi, je suis que le figurant hein, dans l'histoire. Donc bon. Et puis, franchement, tu devrais être fier de toi. Tu as battu un Hanja tout seul. J'ai donné juste quelques coups. Et en plus, qui est plus fort que si je l'avais fait vraiment tout seul. Bah oui, parce que en plus, bon, je l'ai rendu mourant. Toi, il t'aurait fallu 20 ans, donc tu le rendes mourant. Mais sinon, à part oui, ça... Oui, bien sûr.